Deuxième titre, c'était Pedestrian at Best. Le troisième, c'était Dead Fox. Et pour ce qui est d'autoproduction, c'est un groupe qui s'appelle US Royalties. C'est une autoprod que j'avais eue, je ne sais plus trop comment, à la fin 2014. Ça traînait. Je dis quand même, je devais écouter de temps en temps, je trouvais que c'était bien. Donc j'ai ressorti ça. Et j'avoue qu'en cherchant, même Simon me disait qu'il avait cherché, on ne trouve pas grand-chose sur ce groupe. Alors sinon, ils sont vraiment excellents, moi je trouve. Ils sont de Washington. Et c'est dans le genre plutôt, vous avez pu entendre, plutôt soft rock un peu. Ouais. Le band est composé des frères Thornley, qui font guitare et chant, du bassiste Michael Jacob et du batteur Luke Adams. Ce deuxième disque... autoproduit, puisqu'ils se font, ils s'autoproduisent, c'est le deuxième qu'ils ont fait, m'a fait penser à certains titres, à certains débuts de Crosby, Stills, Nash & Young sur des guitares, et par moments aussi même à Fleetwood Mac, il y avait des petites choses comme ça qui me chatouillaient les oreilles. Voilà, moi je pense que c'est un groupe à suivre, moi je le suivrai, on va voir ce qu'ils vont faire, comment ils vont évoluer, puis j'espère qu'ils vont nous faire un bel album prochainement, parce que celui-là, il a